Celui qui nous a aimés le premier et qui nous a comptés parmi les vivants ce matin. Nous sommes à Wake Up dans la joie et dans la ferveur du Saint-Esprit pour nous conduire dans tout ce qu'il y a de bon pour vous, tout ce qu'il y a de bon pour votre âme et pour que votre lumière brille davantage chez vous. Voilà, pasteur Conan Florent, que nous aimons, est encore là sur notre plateau pour nous apporter la méditation. Permettez que nous lisions bonjour. Bonjour, frère Madi. Vous allez bien? Il fait à la maison, pasteur. Ça, c'est les communes. Tout le monde va bien, oui. D'accord, super. Aristide Amani, l'homme culture actu, nous sommes avec toi encore. Oui, bonjour Madi, bonjour à nos amis, que Dieu nous bénisse. Bonjour, bonjour, bonjour à Aristide. Hey, j'ai failli encore dire Aristide pendant que je veux parler de Rebecca. Heureusement. Heureusement, je me suis ressaisi. Mais à quoi, tu vois que le rouge de son vêtement m'a ébloui, puis j'ai même failli perdre le nord. Rebecca, bonjour à toi. Bonjour Madi, bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis votre petit écran. Et aujourd'hui, à l'affiche, nous avons notre chanteur émérite, Otis Ndi. Bonjour, cher frère. Bonjour, frère Madi. Bonjour, téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Déjà, en entame de cette émission, nous avons été nourris. Et nous allons encore l'être avec Otis. Ça sera pour tout à l'heure. Entre-temps, permettons à la parole de Dieu donc de prendre toutes ses formes en nous par Méditons ensemble. Le chrétien témoin de Christ selon Actes 1, verset 8, c'est avec le pasteur Conan Florent. Merci frère Madi, j'ai
l'opportunité de partager la parole de Dieu ce matin avec le peuple de Dieu. Amen. Et pour cela, je voudrais parler de, j'allais dire, notre responsabilité vis-à-vis de la mission que Christ nous a confiée. Amen. Vous savez, nous venons de passer un moment très important pour la vie de l'Église sur terre. C'est la Pentecôte. C'est vrai que c'est un moment qu'on ne tient pas beaucoup à cœur, mais c'est très important. N'est-ce pas ce jour-là que l'Église est née? Et donc, nous allons revenir un peu à cet événement. C'est pour ça que je m'en vais vous lire ce passage. Actes chapitre 1, verset 8. Actes chapitre 1, verset 8. Il dit ceci. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Amen. La parole nous dit que nous sommes des témoins. Parce que là, lorsque le Seigneur parlait, ce n'était pas encore arrivé. Donc, c'est à Justine qu'il dise, il utilise le futur. Mais voilà, c'est arrivé. Donc, nous pouvons nous déclarer témoins. Le chrétien est témoin de Christ. Le témoin, c'est celui qui a vu ou vécu une situation et où il est capable de reproduire la situation. Je crois que dans le langage juridique, ce mot est beaucoup utilisé. Et quand on appelle le témoin à la barre, il parle sous serment. Parce que ce qu'il va dire, l'engage. Ça suppose qu'il dit toute la vérité. Et c'est pour ça que, généralement, avant de, quand on lui donne la parole, on lui dit de lever la main et de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et il dit, je le jure. Et je le jure. Parce qu'il se met sous serment. Et donc, il a obligation de vérité, de clarté et tout ça. Tout ce qu'il va dire pourrait le condamner et l'accuser et lui-même. C'est ça, le témoin. Il a beaucoup, j'allais dire, il y a beaucoup d'implications pour sa vie. Et Dieu a dit, ou Jésus a dit que nous sommes ses témoins par la puissance de l'Esprit. Il envoie le Saint-Esprit pour faire de nous des témoins. Peut-être d'autres choses, mais là, ça a été clair. Nous sommes les témoins de Christ. Témoins de Christ. Mais témoins aussi de sa vie. Et ça, je bénis Dieu que l'Église fait beaucoup. Dieu nous a donné des hommes de Dieu qui font beaucoup, beaucoup de miracles d'ailleurs, comme Jésus en a fait. Mais nous faisons très peu, nous représentons très peu dans le monde notre Seigneur Jésus. Parce que le témoin aussi doit reproduire la vie de celui dont il est témoin. Mais nous reproduisons seulement les actes, les œuvres de Jésus. Les miracles, il y en a beaucoup. C'est tant mieux pour l'Église. Ça démontre la puissance de Dieu. Mais ce que Dieu attend encore de son Église, de ses serviteurs, c'est sa vie. Nous devons être témoins de la vie de Christ. Donc, reproduire la vie de Christ. Telle que Christ a vécu, nous devons vivre comme ça. Pour que les gens sachent que Christ est réel. Il existe réellement et que nous sommes ses serviteurs. Vous voyez, il y a beaucoup d'évangélisation. Généralement, quand on sort pour l'évangélisation, on déclare 1000 décisionnaires. 1000 convertis, mais au bout de 3 mois, vous allez voir, même le 10e, on ne peut pas l'avoir dans nos temples. Parce qu'ils sont tous partis. Ils ont été témoins de la puissance de Dieu que nous avons certainement manifestée. Mais quand ils viennent à nous, ils ne voient plus la vie de Christ en nous. Et quand on ne voit pas la vie de Christ en nous, tout ce bruit-là, c'est du brouhaha. Ça n'a pas d'impact dans la vie des gens. Donc, les gens attendent de voir en nous la vie de Christ. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit est venu. La Bible dit dans 1 Corinthiens 12 que le Saint-Esprit est venu avec 9 dons. 9 dons. Quand vous lisez 1 Corinthiens 12, verset 8 à 11, ça parle des 9 dons. Et les chrétiens sont trop friands de ces dons. Aujourd'hui, c'est ça. Le monde est friand de ces dons. Parce que chacun veut avoir un de ces dons au moins. Surtout les dons de la puissance. Pour démontrer que Christ est réel. C'est bon. C'est pas une mauvaise chose. C'est le don de l'Esprit. 9 dons. Même si Mais en même temps, c'est ce qu'Aristide aime souvent. Mais en même temps, il vit avec les 9 dons, mais il vit avec son fruit. Et ce fruit est mentionné dans Galates 5, verset 22. Amen, amen. Le fruit de l'esprit. Amen. Là aussi, il y a 9 compartiments. Il n'a pas dit 9 fruits. Il n'a pas dit les fruits de l'esprit. C'est un seul fruit avec 9 compartiments. Malheureusement, on fait très peu de cas de ce fruit. Ça nous intéresse très peu. Il y a la patience, il y a l'amour et toutes ces choses qui sont citées comme fruits de l'esprit. Mais en réalité,
c'est le fruit de l'esprit qui maintient la vie, une vie convertie à Christ dans l'église. Ce n'est pas les dons. Parce que les dons, croyez-moi, le diable peut imiter les dons. Mais jamais il ne peut imiter le fruit. Jamais on ne verra le diable dans la patience. Le diable aimer quelqu'un et tout ça, non. Et pourtant, les 9 dons sont toujours imités par l'ennemi, par le diable. Donc, nous devons plutôt priser le fruit de l'esprit que les dons de l'esprit. Les dons de l'esprit, c'est pour témoigner de la puissance de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est pour témoigner de la vie de Dieu. Le chrétien doit être dans la douceur. Il doit être amour. Il doit avoir la foi. C'est ça, le fruit de l'esprit. Voilà ce que le monde attend de nous pour être impacté. Voilà ce que Christ attend de nous. Il cherche des personnes qui peuvent manifester le fruit de l'esprit. Les dons de l'esprit, certes, mais le fruit de l'esprit. C'est cela, la Pentecôte. La Pentecôte, c'est une sorte d'auto-évaluation. Est-ce que j'ai vraiment l'Esprit Saint? Si je l'ai, je dois pouvoir manifester le fruit de l'Esprit. Amen. Ce n'est pas seulement les dons Amen. De l'Esprit. Que Dieu nous bénisse et qu'il fasse de chaque chrétien, chaque personne venue à Christ, quelqu'un qui va manifester la vie de Christ à travers le fruit de Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Être rempli du Saint-Esprit, c'est ce qui est recherché, pasteur, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà, lorsqu'on passe l'étape de la conversion, cherchez maintenant à être rempli du Saint-Esprit, pour être conduit selon le Saint-Esprit. Et quand on est rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement la puissance qu'on démontre, mais c'est le fruit, ça j'insiste, le fruit de l'Esprit qui est visible. On a vu un apôtre Paul, peut-être arrogant et violent, mais devenu très doux après, parce qu'il a manifesté le fruit de l'Esprit, plus que les dons de l'Esprit, plus que la puissance de l'Esprit. Et puis, n'allez pas me dire que vous avez le fruit de l'Esprit, c'est-à-dire que vous êtes bon, mais vous n'êtes pas patient. C'est un seul fruit. Ce n'est pas des fruits pour dire, moi j'ai pris une partie. C'est un seul fruit. Quand vous l'avez les 9 compartiments. Amen. Donc, vous êtes amené à être bon, à être amour, à être patient, à être doux et tout ça. Et pasteur, une chose, est-ce que ce n'est pas ce fruit aussi qui nous pousse à l'écoute de sa voix, le Saint-Esprit? Mais bien sûr. Et puis, il nous oriente. C'est ça, il est patient, il est calme à l'intérieur. Et il est prêt à écouter son Seigneur. Amen. C'est cela. Amen. Voilà. Voilà, c'est dit, Aristide, dernier mot. Et puis, nous allons passer à toi. Pour ta rubrique. Oui, c'est très important d'entendre ce message, se lever de bon matin et entendre que certes, on recherche à manifester la puissance de l'esprit relativement aux dons dans 1 Corinthiens chapitre 12, mais aussi il faut manifester le fruit. Le pasteur en insiste, donc pour encore rappeler le corps de Christ a aussi désiré manifester le fruit de l'esprit car on reconnaîtra tout le monde qu'il soit bon ou mauvais par le fruit. Et puis, on verra aussi avec toi les manifestations du fruit de l'esprit à travers une aide humanitaire et une conversion qui s'est faite du côté de Hawaï. Et puis, on part maintenant à Culture Actu. Aristide. Oui, Madi. Alors, on part du côté de Hawaï, c'est aux États-Unis, pour parler d'une aide humanitaire et des conversions. Oui, on parle effectivement d'une aide humanitaire, mais une aide humanitaire qui est vraiment apportée par l'Église à ces personnes victimes de feux à n'en point finir. Les feux de forêt qui vraiment ont dévasté beaucoup de champs, beaucoup de biens. Et on a vu des familles qui ont été vraiment dévastées. Mais il faut dire que le serviteur de Dieu, le pasteur Greg Laurie, a été témoin aussi de cette circonstance malheureuse qui a frappé ces différentes familles. Mais lui et son église ne sont pas restés indifférents. Mm-hmm. Le pasteur a parlé tout à l'heure du fruit de l'esprit. L'église et le pasteur Greg Laurie sont allés apporter leur soutien à toutes ces familles qui ont été victimes de feu. Des familles ont été reconstituées, cela pour dire que des maisons qui ont été détruites par la grâce de Dieu avec l'aide de ces chrétiens de l'église, des maisons ont été reconstruites. Certaines familles ont pu retrouver du travail, des vivres et tout ça, et encore plus suite à la démonstration de l'amour, parce que
les habitants ne s'attendaient pas à ce que cette communauté leur apporte soutien. Ils s'attendaient au soutien de l'État. Mais on a vu l'Église sortir apporter le soutien. Et suite à l'amour que l'Église a démontré face à ces personnes victimes de ces feux de brousse, des feux de forêt, 100 personnes ont décidé de donner leur vie à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et aussi une occasion pour nous de continuer autour de nous, de manifester le fruit de l'Esprit. Quand une personne est dans le besoin, quand une personne souffre, il faut lui apporter notre soutien. C'est à là que, pourquoi pas, cette personne connaîtra Jésus-Christ. Et c'est à là aussi qu'on reconnaîtra les vrais serviteurs de Dieu. Ceux qui sont remplis de l'Esprit auront juste l'appel qu'ils ressentiront pour aider, pour soutenir et puis pour surtout poursuivre l'œuvre du Seigneur. Amen. Merci beaucoup pour cette rubrique et pour cette information majeure. Du côté de Hawaï, nous avons suivi ce sinistre que les habitants de Honolulu et autres environs ont subi à cause des feux. Mais béni soit le Seigneur parce qu'il est toujours présent pour donner la vision à ses serviteurs. Pasteur, réaction déjà? Oui, c'est déjà une bonne action que d'assister ceux qui traversent des moments difficiles. Et donc, comme il a dit, c'est vraiment manifester le fruit de l'Esprit. Amen. Ça vaut plus que déplacer une montagne. Amen, amen, ça amen. Vaut plus que déplacer une montagne. Amen, amen. Chanchant Trotti Sindi, je sais que tu aimes la mission, tu aimes aussi le Saint-Esprit pour t'avoir déjà vu à l'œuvre. Je crois que tout à l'heure, on va y aller avec toi pour encore approfondir les aspects du Saint-Esprit. Allons donc découvrir à l'affiche aujourd'hui le chant Trotti Sindi. Ce qu'il sait faire, il sait chanter, certes, mais il sait aussi prier, il sait aussi manifester les dons du Saint-Esprit. Comme le pasteur l'a dit, je pense que c'est l'essentiel. Où le pasteur a lu, la Bible dit que nous sommes des témoins. Il n'a pas dit que nous allons rendre des témoignages. Donc, il y a déjà l'être sommes. Ouais. Notre vie doit témoigner de Christ. Amen. Avant de parler de puissance. Comme le pasteur l'a dit, certaines personnes, par divination, peuvent manifester des puissances, des prophéties, mais le fruit, on ne peut pas imiter ça. Donc, c'est ce que tu es à l'intérieur que tu manifestes. Amen. On peut être aussi un bon témoin, mais si on n'a pas les preuves de notre témoignage... Le micro, un peu plus Je veux dire, on peut être des témoins de quelque chose, mais si on n'a pas preuve de ce témoignage, les gens ne nous croiront pas. C'est clair. Donc, l'Église va aider les gens et le fruit, moi je vois, c'est l'amour. Donc, puisqu'ils ont l'amour des âmes, donc ils sont allés. Pour moi, c'est ce qui nous pousse à aller à l'intérieur parce qu'il faut aimer ce que Jésus aime et être témoin que Jésus sauve, il guérit et dit ça aux gens. Et vous le traduisez si bien dans vos chansons. Que je crois qu'on va se laisser meubler et entraîner dans une de vos chansons maintenant, Otis. Lion de Juda, lion de ma louange, lion de Juda, lion de ma louange, magnifique. En cet été, tu es fort dans les combats, terrible en louange, opérant des prodiges. Magnifique en cet été, tu es fort dans les combats, terrible en louange, opérant des prodiges. La lumière qui vit dans la lumière. Alléluia. C'est toi qui m'as sur les airs du fort. La cause active de mon existence. Yeah. Tu parles au ciel, le ciel t'entend. Tu parles à la terre exécute. Tu parles au son, le son t'entend. Tu parles au mort, le mort ressuscite. Lion de Juda. Emmanuel, lion de Juda, lion de ma louange, lion de Juda.
Oh yeah. Merci Seigneur. Merci pour cette grâce. Merci pour cette chanson, Otis. Que l'Éternel te bénisse. Et puis, on va te laisser encore une seconde chanson, mais cette fois-ci, tu sais ce que je vais faire? Je vais te prêter Rebecca comme choriste. Je vais te la prêter aujourd'hui. Hein, n'est-ce pas, Rebecca? Oui. Alors, donc, Aristide, on va y aller pour accompagner encore Otis dans une seconde chanson. Et après, on va bifurquer sur autre chose encore. On est vendredi. Oui, non. Téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision, qui ne prennent la parole, n'oublions pas, c'est vendredi. Lâchez-vous et puis laissez le Saint-Esprit vous entraîner dans son mouvement. Amen. Voilà, dans son mouvement. Nul n'est comme toi, oh. Personne n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi. Yeah. Yeah. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Yeah. Yeah. Personne n'est comme toi, Jésus. Yeah. Nul n'est comme toi. Jésus. Oh. Personne n'est comme toi. Le vainqueur de la mort. Nul n'est comme toi. Personne n'est comme toi, Jésus. Jésus. Nul n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Ami fidèle. Nul n'est comme toi. Personne n'est comme toi, Jésus. Jésus. Nul n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Qui est comme toi? Non, personne n'est comme toi. Les anges t'adorent. Les pécheurs veillent se prosterner devant ta face. Qui est comme toi? Non, personne n'est comme toi. Quatre êtres vivants ne cessent de crier. Yeah. Les quatre êtres vivants ne cessent de chanter. Les quatre êtres vivants ne cessent de t'adorer. Qui est comme toi? Personne n'est comme toi. Alléluia. Yeah. Jésus. Alléluia. Rebecca, redescends. Tu t'es... je suis là. Elle est montée dans la présence du Seigneur. Amen. Voilà, que l'Éternel te bénisse. Et Otis, quelle place tient donc le Saint-Esprit dans le ministère que vous faites ta chanson? Moi, particulièrement, j'ai l'habitude de dire. Chante ou chanter n'est pas un ministère. Bon, d'ailleurs, Dieu m'a dit, je n'ai jamais appelé quelqu'un à chanter. Mm-hmm. J'ai dit oui. Parce que tout le monde peut chanter. Mais il dit, quand ton affaire m'intéresse, je te donne non seulement la mélodie et les paroles qu'il faut chanter. Très bien. Et avec qui tu dois aller chanter. Mm-hmm, mm-hmm, donc, ce n'est pas une question de notoriété, ce n'est pas une question de chercher des vues. Oui, oui, c'est oui. De savoir ce que Dieu veut que tu chantes. Alléluia. Avec qui il t'envoie. Amen. Wow, amen. Wow. Pasteur, une... ça me sort les mots de la bouche. Oui, Otis, quand il chante, tu es émerveillé. Il a une voix particulière. Vraiment, je ne sais pas comment décrire ça. Mais moi, particulièrement, c'est un artiste. Il chante que j'aime beaucoup. J'apprécie beaucoup. Qui rouille, mais attention, chaque fois que sort. Je l'écoute chanter, je perds mon esprit. Sérieusement, c'est pas parce qu'on se retrouve sur le même plateau, mais c'est toujours ce que j'ai ressenti avant même de le rencontrer. Amen, voilà. Amen, amen. Je l'aime beaucoup. En tout cas, que Dieu continue de soutenir ton ministère. Amen. Soyez-en sûrs, Otis Indy va terminer avec nous en chanson, ça sera pour tout à l'heure. Et puis, nous n'oublions pas, on va aussi prier pour les téléspectateurs, pour que le Saint-Esprit soit en mouvement dans nos vies avec le pasteur tout à l'heure. Et puis, j'ai oublié quelqu'un d'autre, bonjour à toi. Oh, pianiste, que Dieu te bénisse. Voilà donc, Otis, nous finissons juste avec toi pour parler en fait de tes différents programmes, selon que le Saint-Esprit t'oriente.
la place de la guérison, la place des dons. À quelle place se trouvent les dons au ministère dans ce que tu appliques? Oh oui, quand le Saint-Esprit se manifeste, il peut décider de guérir. Bon, c'est comme si je veux parler de moi, mais c'est ce que je connais de mieux. Cela. Un jour, il m'a dit, ne prie pas pour que je guérisse des personnes. Ce n'est pas toi qui décides qui je vais guérir. C'est moi qui décide. Mais pour toi, cherche à m'adorer. Amen. Donc, mon objectif, c'est de pouvoir manifester Dieu, adorer Dieu, dire à Dieu qui il est, ce que je sais de lui. Et quand je suis en train de le faire, et que lui décide de guérir, il va le faire. S'il décide de ne pas guérir, il va faire autre chose. Ce n'est pas seulement la guérison ou délivrance qui est le travail. Il peut changer l'homme. Il peut t'orienter. Moi, je vendais du Yugu quand tu m'as dit, fais la musique. Donc, je n'ai pas tombé ni recevoir une certaine guérison. Alors, juste pour précision, Yugu, dans notre jargon, c'est la friperie. Oui, encore tu fais la friperie. Voilà. Quand tu m'as dit, fais la musique. Donc, je veux dire, quand le Saint-Esprit se manifeste dans un programme, il va faire ce qu'il a envie de faire. C'est pour cela qu'en tant que chante, je privilège un rassemblement des saints. Je ne peux pas dire, je suis venu adorer, et puis je suis chante, et puis je invite quelqu'un qui qu'on n'a pas le même esprit. Oui. Parce qu'il y a un problème. Qui va se manifester? Qui prêche à son camarade? Bonne question. Merci. Wow, c'est fort. Vraiment, c'est je crois que la parole a touché le pasteur. Oui. Sérieusement, ça c'est mon combat. Je ne peux pas comprendre qu'on dise, on organise un moment d'adoration, et puis parfois on a des parrains païens. Oui. Généralement, c'est ça, on prend des parrains païens. Juste parce qu'il a la poche. Vraiment, ça m'écœure. Et quand j'entends le chant dire ça, vraiment, il a touché mon point sensible. Amen, 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 merci, amen. Merci d'être de la révélation. Oui. Comme on est encore à la, sur l'antenne, un jour, Dieu m'a dit, je crois, il y a 2 ou 3 ans, et il m'a dit, entre celui qui te demande le cachet et puis celui qui te paye le cachet. Je vais dire, le pasteur veut que je vienne chanter. Et puis je dis au pasteur, si tu ne m'as pas donné 1 million, je ne viens pas. Et le pasteur cherche les 1 million, il me donne. Le Saint-Esprit me demande, entre toi et le pasteur, si je dois récompenser quelqu'un, soit ici ou dans l'au-delà, bon, il a dit dans l'au-delà, tu penses que je vais récompenser qui? Donc, naturellement, ouais, c'est ça. C'est clair. Et il m'a dit, en réalité, celui qui t'invite, c'est celui qui a vu ce que j'ai mis en toi. Sinon, toi, tu n'as pas vu. Amen. C'est pourquoi tu as monnayé ça. Amen. Ça n'engage que moi. Une petite question pour terminer, Otis. Est-ce que souvent tu es cuisine? Hein? À part la chanson, est-ce que tu touches un peu à la cuisine? C'est que moi, je peux manger pas. Alors, on veut juste te proposer quelques petites astuces. Ah, c'est mieux. Et puis, les astuces, ça, c'est l'affaire des Rebecca. Allons à Trick Boss. Trickbox d'aujourd'hui, Rebecca nous propose de ne plus jeter nos sachets de thé. Moi qui suis friand de thé, par exemple, on veut en savoir un peu plus, Rebecca. Moi, je suis curieux, hein, je veux en savoir un peu plus. De la même manière que tu veux en savoir plus, je suis sûr que nos téléspectateurs aussi sont tous branchés. Yeah. Et donc, selon les stats, après l'eau, le thé est la deuxième boisson qui est la plus consommée. Et donc, c'est une boisson aromatique préparée avec des infusions, des feuilles. Il y a plusieurs sortes de thé, hein, le thé vert, le thé noir. Que soit le thé que vous buvez, aujourd'hui, ne jetez plus vos sachets de thé. Voilà. Et donc, le thé est un très bon engrais naturel pour ceux qui ont du jardin et tout. Ah, d'accord. Votre thé, après avoir infusé, vous avez fini de boire, vous prenez le thé humide, vous le plantez dans la terre et vous mettez juste du sable à côté et tout. Vous verrez qu'il y aura des merveilles parce que c'est un très bon engrais. Très bon engrais, voilà. Ouais. Très bon secret. Et donc, si vous êtes fatigué, que vous n'avez pas de baume pour vos cernes, le thé pourra aussi vous aider. Vous finissez de boire le thé, vous laissez refroidir et vous posez le thé dans le frigo. C'est-à-dire l'air un peu frais et tout. Vous posez sur les poches, ça va dégonfler le bas des yeux et tout. Ça va bien vous aider pour les cernes. Et aussi, pour nettoyer les vitres, papa Florence, certainement, vous avez une voiture. Et donc, pour le nettoyage des vitres, le thé aussi est un très bon nettoyant. Vous pouvez le prendre humide avec un chiffon que vous frottez là-dessus et vous appliquez sur la zone un peu grattée de vos vitres. Pour ceux qui ont des voitures, et ça rend la voiture voilà, tout nickel comme ça, impeccable. Vous avez vos vitres. Parce qu'après, on n'a pas trop le temps d'aller nettoyer nos voitures, la vrille.
et aussi à la maison, on n'a pas souvent les très bons produits. Je vous invite à prendre votre sachet. Pasteur, on descend tout à l'heure, on va s'en occuper. Là. Et, en dernier, et en dernier, le thé est un très bon désodorisant naturel. Vous finissez de le consommer, excusez-moi, vous pourrez le déposer aussi, vous laissez sécher d'abord et vous le déposez dans chaque recoin de votre maison, de votre pièce. Ça sera un parfum. Mais la maison va sentir le thé. Ben oui, l'odeur que ça donne, oui. C'est la même chose. C'est pareil, je veux dire, avec le clou des girofles. Ah donc, ouais, vous pourrez utiliser. Super. Et donc, vous me direz en commentaire là ce que vous pourrez notamment utiliser avec le thé. Voilà. Commentaire avec le thé. Otis Indy. Je vais essayer. Moi, je bois beaucoup de thé. Voilà. Donc, je vais essayer. C'est n'importe quel thé. Hein. Oui, papa, n'importe quel thé. La camomille, thé vert, thé noir. Voilà. D'accord. Il faut juste utiliser, confinez-le, ne jetez plus. Mais je suis curieux de savoir ce qu'Aristide allait faire avec le thé. Oui, avec le thé, d'abord, on va saluer depuis le Maroc, le pasteur Saïd Oujibou. Oui. Oui. Avec le thé vert, parce que là-bas, c'est la maison, la maison du thé. Mais je crois que je vais utiliser la dernière astuce. Pour ma voiture. Voilà. Non, la voiture, c'était la troisième astuce. La troisième astuce pour ma voiture. Voilà, je crois que ça fait du bien. En fait, c'est juste ce que j'ai choisi quoi, pour ma voiture. Homme en fait. De foi, j'aime ça. Le Saint-Esprit en mouvement là. Que l'Éternel te bénisse, Aristide. Amen. Voilà, pour ce qui concerne le trick box avec le thé, essayez et puis vous verrez les merveilles que le thé produit. Alors, pas question de gaspiller, mais tout peut se recréer, se réutiliser, se transformer. Très bien, c'est le mot que je cherchais. Se transformer. Particulièrement, je crois que je vais essayer avec pour le jardin, là. Le l'engrain. Jardin, oui, c'est l'engrain parfait. Super. Il est naturel. Moi, je vais l'essayer là bientôt. Et puis bon, même pour côté voiture et autre chose, on verra. Il n'y a pas de problème. D'accord. Aristide Amani, alors nous sommes à Le Saviez-vous maintenant? Et il nous parle aujourd'hui du livre des juges, les tenants, les aboutissants ou quelques secrets sur le livre des juges. C'est avec Aristide. Oui, mais d'abord, il ne faut pas qu'on dise que c'est Juge qui a écrit le livre de Juge. Ça, il faut... Rectification. Voilà, il ne faudrait pas qu'on dise, ouais, parce que c'est Juge, donc automatiquement, c'est le nom de la personne qui a écrit. Non, attention, il ne faut pas qu'on dise après, salut au frère Deutéronome. Au passage, c'est très important de corriger, voilà. Juge avec plus de 21 chapitres. Nous comprenons après lecture, parce que après une étude, juste après la mort de Josué, Josué a laissé le peuple d'Israël en quelque peu orphelin. Orphelin, et nous avons compris, nous avons vu à travers leur démarche, étant soit peu où le peuple d'Israël a régné Dieu et a commencé à adorer d'autres dieux. Le corps du livre de Juges est formé de plus de 7, je dirais, histoires peut-être similaires. Et des personnes qui sont les plus connues, quand on parle du livre de Juges, on va parler de l'homme aux cheveux les plus longs. Samson. On va parler d'une autre personne qui, malheureusement, a réussi, envoyée par l'ennemi, à le faire tomber. On va parler de Dalila. Dalila. Et quelque part, une femme forte qui a fait montre de bravoure, délivrer son peuple en quelque sorte. On va parler de Déborah. Oui. Salutations à notre Déborah. Oui, de Déborah. La femme forte de Déborah. Qui est notre chef plateau en quelque sorte. Et en ce qui concerne le livre de Juges, ce qu'il faut comprendre, c'est que certes, après l'abandon, après la mort de Josué, le peuple d'Israël s'est détourné de Dieu, mais nous voyons à la fin de l'histoire le peuple d'Israël revenir à son premier amour. Donc, une leçon à tirer de ce livre de Juges pour dire, certes, il est bon de recevoir Christ, mais il est aussi meilleur de demeurer en Christ. Amen. Gardons ce que nous avons afin que personne ne vienne nous arracher. Amen. C'est dit, c'est bien dit. Et puis, je voyais le pasteur qui écoutait soigneusement parce que tu parles d'un livre qui est étudié. Hein, voilà, qui est étudié et enseigné dans les instituts. Ah, pasteur, on vous laisse à la réaction. Je crois qu'il a dit ce qu'il devait dire. Il voulait seulement attirer notre attention sur le fait que ce livre parle des héros de la foi. Voilà. Des personnes qui, en leur temps, ont su se laisser utiliser par le Saint-Esprit pour délivrer leur peuple.
entre autres ces personnages cités. Donc, pour dire que nous aussi, de notre, à notre époque, on peut écrire d'une façon ou d'une autre un tel livre. Voilà, par ce que nous pouvons donner à l'Église, ce que nous pouvons nous laisser utiliser par le Saint-Esprit. Voilà. Amen, amen. Merci beaucoup, pasteur, pour votre contribution. Merci, Aristide, également, pour cette belle actualité concernant le livre de Juges. À Rebecca, je veux dire aussi merci pour l'astuce, moi, particulièrement, je veux l'utiliser. Et puis, on donnera les résultats ici quand je finis d'utiliser la cible. Pas de problème. Comment je serai très, très impatient à donner le résultat de mes vitres. C'est ça. Le Saint-Esprit, ça marche toujours. Alors, on va donc, jusqu'à cette heure précise, terminer avec le chant Otis. C'est lui maintenant qui va nous entraîner dans la louange, dans la chanson. Mais entre-temps, permettons au pasteur de prier pour les téléspectateurs. Nous l'avions promis à l'entame de cette émission que nous prierons pour nous, pour vous, pour que le Saint-Esprit se manifeste amplement en nous, pour que nous ayons la grâce de toucher aux différentes faveurs qui découlent donc de cette présence en nous. Nous bénissons ton nom, Dieu et notre Père, pour ce que, Seigneur, tu as pensé à nous. Tu nous as connus faibles, incapables de te suivre jusqu'au bout, si bien que tu as pris les dispositions particulières pour nous rendre forts, amen, afin de demeurer à tes pieds. En envoyant ton Saint-Esprit, fais de nous des témoins, des hommes efficaces, Seigneur, endurants, quelles que soient les circonstances. Amen. Nous avons besoin de toi. Seigneur, beaucoup de personnes attendent de toi que tu fortifies leur foi par la présence de l'Esprit en eux. Et tu leur donnes, Seigneur, d'exprimer la présence du fruit de l'Esprit en eux, afin d'attirer la multitude à toi. Merci, parce que jusque-là, nous t'avons senti avec nous. Sur ce plateau, nous avons parlé de toi et nous pensons que cela aussi a impacté des vies, transforme des vies à travers, Seigneur, cette télévision, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Boussole, avec Rebecca. Nous sommes dans Actes 10, verset 39. La Bible dit, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Amen. Amen. Maintenant, en conclusion, chante Otis Indy pour les téléspectateurs et pour notre bonheur. Et puis, bonne suite de programme sur Lumière du Monde Télévision. N'oublions pas qu'il y a encore Point d'accord ce soir. Oui. Suivez, hein, il y a Point d'accord ce soir. Que Dieu te bénisse. Et puis, Prisca Malan, coucou à toi. Que Dieu te bénisse. Toi, Kachine, Kaïdie, Akidi Baye, Akidi Baye, Toi, Kachine, Kemoti, Akidi Baye, Akidi Baye, Voici comment il est haut, Akidi Baye, Akidi Baye, Akidi Baye. Oh mon Dieu, tu es élevé. Nul n'est comparable à toi. Amen. Tu es grand plus que le temps. Alléluia. L'univers et tout ce qui renferme. Ton nom est élevé. Au-dessus de tout nom. Voici comment mon Dieu est. Agidi Baye. Voici comment il est haut. Agidi Baye. Show me how your God will be. Agidi Baye. Agidi Baye. Agidi, Agidi. Agidi Baye. Agidi Baye. Il y a une femme ici que Dieu a béni. Oh, yes. Vendredi, fais-le savoir. Il y a un homme ici que Dieu a béni. Si c'est toi, fais-le savoir. Par ta manière de danser. Par ta manière de danser. Par ta manière de danser. Fais-le savoir. Par ta manière de bouger. Par ta manière de bouger. Si c'est toi, fais-le savoir. Il y a une femme ici, témoin de Jésus. Témoin de Jésus. Si c'est toi, fais-le savoir. Il y a un homme ici, témoin de Jésus. Si c'est toi, fais-le savoir. Pas ta manière de parler, pas ta manière de marcher, pas ta manière de marcher. Fais-le savoir. Pas ta manière de bouger. Si c'est toi,
fais-le savoir. Par la manière de bouger, de vous manifester par la grâce de Dieu. Nous vous disons shalom, au revoir la semaine prochaine. Que Dieu nous bénisse. Allez, portez-vous bien.